aujourd'hui être crédible? Vous jouez de l'argent de Monopoly. Comment il se fait que vous n'avez pas encore chiffré vos engagements électoraux? À tout le monde en parle, on vous a vu. « Ah, c'est pas grave, ça intéresse pas les Québécois. » Ben voyons donc, si vous voulez être crédible, donnez-nous des chiffres. On a chiffré nos engagements ce soir, mais juste vous rappeler que votre cadre financier, comme celui de M. Charest, d'abord, c'est des cadres financiers humoristiques parce qu'il y a juste une colonne. Il y a juste une colonne des nouvelles dépenses. Il n'y a pas l'autre colonne. Mais l'autre chose, de toute façon, vous allez devoir... Oui, vous allez leur devoir leur présenter la semaine prochaine. Mais en matière de gestion de l'État, il y a un sujet où le Parti québécois a le plus mal géré, c'est les prisons du Québec. Moi, je pense que c'est... On parle d'économie puis de finances publiques. Non, c'est la gestion de l'État. Le thème, c'est la gestion de l'État. Puis une des choses les plus mal gérées dans l'État du Québec, c'est les prisons. C'est les libérations conditionnelles qui sont devenues des libérations automatiques. C'est des récidivistes qui, dans 30 % des cas dans les prisons du Québec, sont là pour la dixième fois au plus. M. Boisclair. Bon, question simple. Vous êtes économiste de formation, diplômé de Concordia. C'est quoi la marge de manœuvre du Québec par année? Bien, le Québec, ça dépend des années de la croissance économique. C'est quoi la marge de manœuvre? Mais mon expérience... C'est quoi la marge de manœuvre? C'est quoi la marge de manœuvre du Québec? Mon expérience, c'est qu'avec la croissance des coûts de système... Combien? Je veux jouer avec un chiffre simple. Avec la croissance des coûts... C'est quoi la marge de manœuvre du Québec à chaque année? Ça dépend de la croissance économique annuelle. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en se basant simplement... Vous n'êtes même pas capable de me dire c'est quoi la marge de manœuvre du Québec. En se basant sur la croissance économique... À combien vous l'estimez pour l'année prochaine? Vous êtes intéressé à connaître des chiffres pour chiffrer nos engagements un par un, hein? Allocation familiale. Je vous pose une question. C'est quoi la marge de manœuvre du Québec, M. Dumont? Vous voulez gouverner le Québec? Mais l'année prochaine, comment vous l'estimez, la marge de manœuvre? L'année prochaine, on ne connaît pas encore ce que va être la croissance économique. Et ça, c'est quand on se base seulement sur la marge... Vous n'êtes pas capable de faire des prévisions? C'est quand on se base seulement sur la marge de manœuvre qu'on fait des déficits. C'est avec des gouvernements comme le vôtre que la dette du Québec, aujourd'hui, est rendue à 122 milliards. Parce qu'on a fait des budgets avec... Vous êtes économiste de formation. Vous n'êtes pas capable de chiffrer la marge de manœuvre. Vous êtes peut-être marabout à cause de votre début de campagne. Laissez partir. On va chercher l'argent. C'est l'exercice que vous n'avez pas fait pour parler les autres. Toute la soirée, vous ne laissez pas parler, vous parlez tout le temps. Je pose une question simple. Je vais poser une question. Un chiffre. Poser une question qui est hypothétique. Vous le savez très bien. Et ce dont je vous parlais, c'est que la gestion des prisons sous votre gouvernement, vous avez fermé des prisons, vous avez remis des détenus qui sont dans la rue, et ça a inquiété beaucoup de gens sur la sécurité publique. Oui, M. Dumont, c'est de finances publiques dont on parle en ce moment-là. Gestion de l'État, dans la gestion de l'État. Si on peut revenir sur le sujet, M. Dumont, là, je vous pose la question. Vous êtes économiste de formation, vous aspirez à gouverner le Québec. À combien vous estimez la marge de manœuvre du Québec pour l'an prochain? Parce que là, vous nous dites que vous allez rendre public votre cadre financier. Répondez donc à cette question. M. Boisclair, demandez un chiffre. Vous avez... M. Boisclair, vous savez... Vous ne savez pas, très bien. Vous savez très bien, M. Boisclair, que la marge de manœuvre réelle qu'un gouvernement doit se débloquer, c'est en ayant deux colonnes dans son budget. Ben oui, bien sûr. Et il faut trouver où on va chercher l'argent. C'est l'exercice que vous n'avez pas fait. C'est revenu. Vous avez fait une addition de vos dépenses. C'est pas un cadre financier. Pardon? Vous allez être obligé de le reprendre la semaine prochaine au lendemain du budget fédéral. Merci, monsieur. Je vais prendre M. Charest à témoin. Merci, c'est terminé. Bon, voilà. Alors, on a vraiment l'impression que chacun a réussi à tirer son épingle du jeu, mais je voudrais quand même qu'on parle un peu des chiffres avec Mario Dumont. On a vu un peu les attaques d'André Boisclair. On a l'impression que c'était un peu sa faiblesse dans le débat. Pourtant, c'est un économiste. Oui. C'est un économiste. Je pense pas que c'est sa faiblesse. C'est comme si... C'est comme s'il s'entêtait à vouloir mettre un chiffre sur la marge de manœuvre en disant, effectivement, c'est vrai que ça dépend de la croissance économique. Oui. Mais il s'entêtait, il ne voulait pas, et pourtant, on le sait qu'il sait, c'est un économiste, c'est un gars qui suit les budgets depuis plusieurs années. S'il y en a un qui le sait, c'est bien lui. Il faudrait demander à lui pourquoi il s'est entêté, mais une chose est certaine, c'est certain qu'il le sait. Alors, je ne sais pas, c'était comme, je répondrai pas à cette question-là, moi je veux contre-attaquer. Oui? Avec l'affaire Parizeau. Pensez-vous avoir aidé M. Boisclair ce soir parce que vous-même, vous avez été incapable de répondre à une simple question sur la marge de manœuvre du Québec? La marge de manœuvre du Québec, c'est une question absolument théorique. Il n'y en a pas de marge de manœuvre. Le vérificateur général nous dit qu'on est dans le trou.
On peut créer une marge de manœuvre dépendamment de la croissance économique qui est théorique. C'est en créant ces marges de manœuvre fausses au fil des années qu'on a accumulé les déficits. Mais la vérité, il n'y a pas de marge de manœuvre au Québec. Quand le vérificateur général passe par-dessus les livres, il nous dit qu'on n'a même pas le déficit zéro. On est dans le trou. Il y a un trou accumulé de 5,3 milliards, selon les dires du vérificateur général. Alors, de financer des dépenses sur une marge de manœuvre théorique, c'est clairement continuer à augmenter la dette du Québec. Pour ce qui est de la l'autonomie, M. Dumont. Vous voulez rouvrir la Constitution, c'est ce que vous dites dans vos déclarations. Quels sont les pouvoirs que vous voulez aller chercher? Dites-nous ça là, clairement. Un jour, vous avez dit à l'air, ça c'était 22 pouvoirs, vous avez voté contre Charlottetown, vous avez ensuite dit oui à la souveraineté. Quels sont les pouvoirs que vous voulez aller chercher? Je ne peux pas laisser passer ce que vous vivez dans vos rêves, ce que vous venez de nous faire comme discours quels pour la souveraineté. Quels sont les pouvoirs? D'abord, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quels sont les pouvoirs que vous voulez aller chercher? Comptez pas sur moi pour vous aider à organiser un référendum. Quels sont les pouvoirs que vous voulez chercher? Je vous ai posé une question, vous n'avez toujours pas répondu. Vous pouvez me dire non, vous n'avez aucune stratégie alternative. En d'autres termes, si vous êtes pris pas de référendum, vous allez vous croiser les bras, vous allez attendre, espérer une chicane, espérer qu'à Ottawa... J'ai pas besoin de chicane, M. Dumont. Non, que ça arrête de collaborer. Vous êtes dans un vieux modèle. Vous êtes un vieux politicien. Vous êtes un vieux modèle. Arrêtez ça. Vous êtes un vieux modèle. Hey, pensez-vous que votre discours que vous venez de nous faire sur la souveraineté... Pensez-vous qu'on est en noir. Stratégie. Si l'entente que Bernard Landry... Dites-nous votre stratégie. Dumont. Moi, je veux savoir quels sont les pouvoirs que vous voulez récupérer. Vous voulez rouvrir la Constitution? Dites-nous les pouvoirs. Première chose, quand on contrôle le pouvoir fédéral de dépenser, dans les pouvoirs du rapport à l'air, on en règle un paquet. L'éducation, c'est un excellent exemple, parce que M. Charest en était un, quand il était ministre à Ottawa, il voulait empiéter dans les pouvoirs du Québec en éducation. Les politiques sociales, les politiques que j'en ai beaucoup de domaines. Donc là, vous voulez tout ça, vous souvenez des bourses. Parfait, vous voulez rouvrir la Constitution. Monsieur si Ottawa vous dit non. Claire, j'étais en train de vous répondre. Donc, il y a beaucoup de pouvoirs comme ça. Quand on contrôle le pouvoir fédéral de dépenser, on limite ses empiétements, puis on s'assure qu'au Québec, on a nos pouvoirs. Mais je veux savoir votre stratégie. En avez-vous une où, s'il n'y a pas de référendum, c'est zéro, c'est le néant, vous allez faire du zéro résultat? Monsieur Boisclair. Nous sommes responsables. Je vous ai donné l'exemple de l'entente à santé qui a permis à M. Charest de faire des réinvestissements à son début de mandat. Quels sont les pouvoirs que vous voulez chercher? Vous savez comment je viens de vous répondre. Ah oui, parfait. Alors, si Ottawa vous dit non, vous savez très bien qu'une formule d'amendement de la Constitution, que la règle du 750 ou la règle d'unanimité, elle s'applique. Qu'est-ce que vous allez faire si Ottawa vous dit non? Qui à Ottawa a le goût d'embarquer avec vous? Vous avez déjà réclamé 22 pouvoirs. Charlottetown, vous avez voté contre ça. Un jour, vous avez dit avec nous tous les pouvoirs. Un autre jour, vous êtes allé vous écraser à Toronto. Dites donc, Québécois, quels sont les pouvoirs que vous voulez chercher à Ottawa? Monsieur Dumont. Je veux que le Québec fasse des gains en termes d'autonomie. Vous ne me donnerez pas de leçons. Donnez-moi les pouvoirs. Vous ne me donnerez pas de leçons. Donnez-moi les pouvoirs. Je viens de